Salut à tous. Alors, vous le savez, la fête des mères approche à grands pas, c'est le 30 mai. Et à cette occasion, eh ben, moi, j'ai eu envie de briser un tabou. Voilà, et de vous dire quelque chose que vous n'étiez peut-être pas prêt à entendre jusqu'ici, mais qui est pourtant la pure vérité. Ben, votre mère, c'est une femme comme les autres, et donc elle aime le sexe. Vous allez me dire, elle aime le sexe peut-être pas tant que ça si elle est restée autant d'années avec votre père, mais c'est pas le débat. Non, je voudrais que vous pensiez à toutes ces fois où votre mère, elle a dû faire semblant. Et attention, là, je parle plus de votre père, hein, quand elle a reçu vos cadeaux de fête des mères, souvenez-vous, le collier de nouilles, le pot à crayon en pâte à sel ou la boîte à bijoux en papier aluminium. Alors il est temps de se l'avouer, c'est ultra moche. Donc cette année, moi, je vous propose de faire confiance à votre mère pour qu'elle se fasse plaisir toute seule, si vous voyez où je veux en venir. Et ça tombe plutôt bien parce que j'ai testé un tout nouveau sextoy. Voilà, c'est celui-ci. C'est un stimulateur clitoridien. Oui, parce que votre mère a un clito. Non, je ne parle pas de la Renault. Donc, c'est un stimulateur clitoridien, je vous le disais. Celui-ci, c'est le Maxi de chez Clara Morgan Store. C'est d'ailleurs Clara Morgan elle-même qui me l'a offert et je la remercie beaucoup. Il a 10 modes de succion. Oui, de succion. Je ne les ai pas encore tous testés, mais j'en aurai sûrement l'occasion, vu ce célibat qui se prolonge. Voilà, j'en suis assez fan. Alors en plus, il est parfaitement étanche, donc vous pouvez l'utiliser sous la douche ou dans le bain et vous allez me dire, c'est mieux d'être étanche quand on bosse en zone humide. Voilà, la promesse, c'est un orgasme en moins de 3 minutes. C'est presque comme mon ex, sauf que lui, c'était pas d'orgasme et moins de 3 minutes. Voilà, que vous dire de plus? Ben voilà, je l'adore, vraiment, ça a été un gros coup de foudre. En plus, les filles, vous allez sûrement voir de quoi je parle. Il n'y a pas de contact direct entre le stimulateur et votre clitoris, ce qui fait que vous pouvez jouir tout plein de fois sans que ça devienne désagréable parce que le clitoris devient trop sensible. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et sinon, voilà, bah, écoutez, vous pouvez, ça va devenir un vrai membre de la famille. Vous pouvez lui donner un petit prénom. Moi, je l'ai appelé Juan. Vous pouvez le mettre sur votre livret de famille. Voilà, c'est votre petit pourvoyeur de cunnilingus à la maison. Il lui reste plus qu'à apprendre à descendre les poubelles. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.